va faire des étincelles. Attention les yeux. On espère. Hein. Tougeki. Tougeki n'en fait un. Voilà. Allez, c'est parti. Ça commence par zone un petit peu de chaque côté. Voilà, pour l'instant, Belko, ça commence bien, il gère bien. Blade directement pour lui. Il a bien gardé l'overhead. Un petit peu. Charge un petit peu la barre d'ultra. Ah, ces gains, ces cross-ups sont vraiment dégueulables. Ouais, c'est clair. Bah là, Ouais, il a bien raison. Un dragon X de chaque côté. Avantage pour le game pour le moment. Un balayette trouvé. Abdest n'a jamais l'affaire. Dommage des catch qui ne marchent pas, qui se bouffer. Ouais, bah là, Abdest, pour l'instant, il a un peu de mal hein, pour installer son jeu. Il ne presse pas comme un bourrin, donc faut qu'il tâche. Ouais. Va falloir s'adapter à son adversaire. Ah, Crosshead qui est bien gardé, un dragon bourré juste derrière. Est-ce qu'on se trouve dans le coin? Game à mi-distance, toujours faire attention à son cross-up, voilà, il se prend encore une nouvelle ouverture de garde. Et Belko qui voit tout, voilà, ça tenait. Ah, bien joué là, c'est vite dans le Hadoken. Ah, bien joué, oh, un entier qui trade et malheureusement, un partout. Ouais, je sais pas ce qu'il y a. C'est assez tendu quand même, je pensais que ce serait plus sur l'avantage d'Abdest, mais c'est vrai que si joue un peu moins en ce moment, je sais pas. Ah, le game qui a trouvé le coup pour passer en dessous des boules. Voilà, ouais, ça marche bien. Bon jeu de Abdest, c'est le retour. Ça se met à éviter. Bon timing sur l'ouverture pour passer les Hadoken. Ouais, ça va, Abdest, il est quand même complètement là. Attention, perfect. Oh, parfait. Ouais, bien joué. 1-0 pour Abdest. Abdest qui montre qu'il est là. Est-ce que ça va coup sur pique? Même pas, non. Benko, il garde toujours son GP. Hein. Il aime bien. Il aime bien les yeux, quoi. Le service vers la gériatrie de monter Benko. C'est le jump juste derrière. Abdest qui décale bien après ce gros point. C'est chaud là, Abdest il place bien son jeu. Hein. Moi je connais pas du tout les coups de Gain, je sais pas toi, mais. Gain qui part dans le coin, Gain qui revient, voilà. Ouais, voilà, ouais. Avec Dragon. Ah, bien. Il y a des acquières, malheureusement ça serait pas. Putain, le Benko s'en prend plein la gueule. Bah, médium. Bon, allez, réveille-toi là. Ton Gain là, il est. Il va pas encore partir à la maison de retraite, c'est pas possible. Ouverture choc, qui encaisse les dégâts assez vite. Ah dommage, il faut que tu passes pas après le bas médium qui a touché. Voilà, un peu for you. Décale bien, peut-être. Speed juggle. Là, oui, Benko, c'est pas fini pour lui. Bien joué ça. Superbe. Ah malheureusement ça passe pas. Il se fait punir. Et eh oui ça marche. Ouais. Bien joué. Superbe. Il s'est serré. Ouais, il connaît les pouvoirs. Nouvelle balle de match pour Abdel. Bien joué Dragon entière. On se respecte. C'est vrai la garde. Ouais, en fait, Abdest c'est comme une très bonne garde. Ouais, il passe pas trop dans ses trappes. Je sais pas s'il le mind, mais en tout cas, non, mais Abdest, il faut pas oublier qu'il vient du futur, donc il avait déjà vécu cette situation, en fait. Il a déjà vu les matchs. Voilà, ouais. Ah, bien sûr, petit coup de pied. Je connais pas bien le coup de pied. Il a dû choper par le lit. Oh, bah, voilà. Il va juggle avec le dragon. Ah non, il juge. Ouais. Enfin, ça enlève pas grand chose, mais c'est beau. Bien joué. Henri qui est pas mort. Oh, c'est jamais fini. Oh, très beau décalage.
partout. Bravo. Incroyable, un partout. Bien joué à Benko, un partout. Là c'est tendu, hein. Je ne sais même pas qui va gagner, honnêtement. Ouais. C'est vraiment tendu là. C'est pas normal, j'aurais dit à Bled, mais là je sais pas, Benko il est complètement fou. Il a fait toutes ses forces dans la bataille avant de mourir. Ah dommage, il rate son Pénic sur la balayette. Ah Pénic, la balayette là, elle est pas du tout safe. Hein. Ah puis Benko il est de l'école, le gros kick, voilà, il le montre. Il a les gros kicks dans la gueule. Par exemple, il passe entièrement, le X il est plus facile. C'est vertical gros point en fait. Là, Benko il est dans le coin là. Ah, c'est dur pour sortir. Ah, attention. Oh bien joué, ah dommage, oh magnifique. Balle de match pour Benko. Première balle de match pour Benko. Benko est dragon, tire toujours. Pour les intérêts. Ah dommage, c'est ça tout plus vite. Ah, belle punition. Ah malheureusement il se retrouve dans le coin, il aurait dû mettre de médium Tatsu. La tête il était torché, il va être rapidement. Bien, bien. Oh le dragon qui sort deux heures après. Attention, la punition c'est une blague. Bien joué. Pas de match des deux côtés, c'est le dernier round, voilà. Le dernier match. Et là c'est là que tout va se jouer quoi, dans ouais. Ce quart de finale palpitant. Un bon dragon pour ouais, entre les lignes. C'est pas forcément. Là c'est tendu pour Abdel. La médium pour prendre le jetage de Ryu. Dragon n'a pas de vie, ça peut être un genre de 58. Ah ben, il n'attend pas qu'il tombe au sol, il remet directement dragon. Avec sa zone tranquillement, ça pose un peu. Tranquille, il a raison, hein, il a raison, il a l'avantage. Oh là là. Ah, il se met sur gros pied. Ah, il c'est fini, un dragon. Voilà, bon, bien, félicitations voilà. Abdel. Bravo, bravo. Beau match Abdel. Benko aussi, très beau match. Hein. L'école du gros pied. Nous sommes contre Callaghan, Gen contre Gen. On a deux Gen quand même qui se retrouvent en quart de finale. Hein. Bah ouais, c'est un perso qui est pas très joué normalement. Non mais à Nancy, il aime bien quoi. C'est ça. Il y a un gros service derrière quoi. Le combat des vieux. Ouais, c'est parti. C'est Gen qui trouve la première ouverture de garde. C'est un peu combo à base de dragon. Ouais, pour l'instant, il y a bien l'avantage, tu vois. Ouais. Encore une fois, l'ouverture sur une saving. Gros point, dragon, dragon, dragon. Alors, ça, je sais jamais comment garder cross-up par cross-up. Ouais, je sais pas non plus, ouais. J'ai jamais compris. Ouais, c'est pas cross-up. Sauf que c'est un peu bizarre, ouais, hein, et voilà. Eh bah, dis donc. Ça a été vite. Le pauvre Gouken. 24 secondes. Bon allez, Callaghan, montre tout ce que tu sais faire. Attention au saving, il y a déjà eu deux ouvertures de garde sur le saving. Dragon en tir. S'échappe avec un ex-Bouquet Strip. Il a bien gardé le cross-up. Alors voilà, il y a des cancellés, ça fait pas ça connaît les combos pour lui. Ah, c'est bien, il a bien gardé le tarif de combo du saut vertical du game. Ah, il est sans pitié le game. Le bouquet qui se fait vraiment avoir. J'aurais pas dans sa place. Le bouquet qui remonte sur la balayette. Ah, c'est pas safe ça. Ah, c'est pas safe. Ouais, je sais pas le coup de Gouken. Le coup qui traverse les boules. En tout cas, Gen, ouais, il a bien la classe dans cette tenue en plus, ça va bien. Bon, allez, bouquet, on se réveille. C'est la ouverture de garde sur le cross-up. Ah, il prend tout là. La backthrow qui est trouvée, overhead, il se fera, il prend le contrat. Gros point minima. Oh là là. Ah, il lui met à mon avis, il voulait faire un setup pour faire le cross-up. Je sais pas si elle est safe cette roue là. Je sais pas. Benko, il aime bien la cancellée. Mais c'est assez rapide, hein. Ouais. Le truc, tu peux vite te remettre. Ouais, ça va.
Bien joué, le Gen qui déchoppe. À mon avis, Gen il essaie de trouver la back trop pour mettre l'ultra. Ah, mais là, Gen il lui met la complète, salade tomate oignon. Ouais. Et première balle de match pour le Gen. Là, il lui met tout, lui balance une blanche. Là, il y a des petites herbes. Voilà, Gen, tu passes à l'offensive là. Pour mettre sur la durée. On y va, on quitte la barre, tranquille. Hein. Voilà. Il décale, chop. Hop, c'est cross-up cette fois. C'est dégardé. Voilà, oh, le bon bouquet. Ligue level 3, gros point, terminé. Bravo Hichem, superbe performance. Ça, il a complètement explosé. Moi, ça m'aurait pas plu. Hein. Allez, c'est parti, Lightstorm qui va jouer Honda contre Shinosha qui va jouer Felon. Troisième quart de finale. C'est parti. Felon qui joue costard. Ouais, il a la belle couleur. Ouais, il est stylé là. Et le Honda qui joue neutre, première couleur, premier costume. Bien échauffé. Il a du sang de porc sur la tête, Honda. À moins que ce soit du sang de cheval, on sait pas. C'est plus trop de nos jours. Le coup de cul qui lui permet de sortir du coin, quitte à se manger une chope. Il prend les lights, mais malheureusement il n'y a pas de réca derrière. Ah, ça trade. Attention parce que sur le trade, c'est souvent l'avantage du Honda. Ouais, c'est vrai. Les coups de cul qui sont safe. Et puis Honda qui fait très très mal très vite. Ah, c'est bien. On zone bien au saut vertical gros point. Et là, on se prend l'ouverture 3 ex-réca dans la tête. Il a voulu ouvrir la garde avec une nouvelle chop bien étalée. Et là, on trouve l'ouverture sur le Ocho. Et là, on s'enfuit avec un ex-chicken wing. Avec un Felon, il n'y a pas grand chose, pour s'enfuir, il n'y a que ça. Trouve le sur de garde, il met bien les 3 récas derrière. Il y a tellement de light que... Et voilà. Un beau dragon. Avec un beau dragon des familles. Ouais, ça, pour l'instant c'est... c'est l'avantage de Felon, mais... je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Ah, les deux sont bons, donc on verra. Voilà, et puis Lightstorm, on le connaît, il a plein de ressources aussi. Il se retrouve dans le coin maintenant pour en profiter. Ex de Skoy retourne dans le coin. Là, malheureusement, Felon il reste pas longtemps dans le coin. Ouais, c'est ça, il est rapide. Il rentre en Reka et il se retrouve déjà dans l'autre coin. C'est vrai que dès qu'il prend un coup, il va falloir s'enfuir. Là, il a bien coincé dans le coin en tout cas. Attention. Bien vu. Dragon comme cette chicken wing. Pas gros poids du Honda qui se fait bouffer par les lives du Felon. Un bas gros point. Oulala, attention, ça fait mal. Saut gros point, gros point. Oh la chope. Oui, 1000 mains comme celle au-dessus. Oh là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, dommage. Oh. Ah, dommage. Dommage, mais bien de la part du Felon qui nous a mis un bon ex-dragon dans tout ça. Voilà, Felon qui a bien assuré pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Voilà, pour que Honda il joue tranquille, tout court, tranquillement. Il essaie de pas l'extraire. Bien joué, la timide relâchée dans le vent, bien puni avec Spinashka. Il se prend la chope, il reste dans le coin. Le setup qui est travaillé du Felong, attention, ça fait. On dirait que ça fait cross-up, mais ça retombe devant. Spinashka qui a visiblement travaillé ce setup. Voilà, en tout cas, c'est clair pour un coup, Spinashka à l'avantage. Voilà, bien joué. Mais ça peut vite changer. Ouais. Ouais, maintenant, le Felong qui est dans le coin, combien de temps va-t-il rester? Pas longtemps, visiblement. Ah, Honda il fait très mal. La Felon qui essaie de presser. Felon qui est très bien, mais très bonne garde. Tranquillement, Stenashka, voilà, saut gros, vertical gros point. C'est un des meilleurs coups d'Honda avec le Stenashka. Ouais, ça sert vraiment des coups à la technique sur moteur. Hein. Ouais, en plus, il peut se décaler pendant le saut. Ça l'aide à éviter les boules par exemple. Coup très balèze. Ouais. Dommage, le Ocho qui passe dans le vent. Qui a raté. Pour l'overhead, et juste après le petit trade, les trades qui sont quasiment toujours à l'avantage de Honda. Ouais, très bon réflexe là. Puis là, en 5 coups, il lui a mis quasiment sous la barre. Ouais. Ah, c'est bien.
absolument le même petit Dosco qui est passé sur Prélan, ouais. Qui nous aide pas trop avec les regards sur une portée de pouce. Voilà, mais là il sort, c'est bien. Oh, bien joué, que... c'est une mise de gros points extra bon. Ouais. Oh là là, incroyable. Ah, bien joué. Les Dosco eu reversal, voilà. Ça paye toujours. Et vient frapper du Prélan. Un partout. Pas le choix. Ah, c'est ça, un match partout. Il y a des chopés. Ouais, donc balle de match pour tous les deux. Vertical HP, HP. Il est que sur lui. Enchaînement de balles, DK. Un petit ex-dragon qui passe, on sait pas trop comment. Coup de cul à la relevée. Il peut sortir du coin là pour le Honda. Honda qui sert bien d'avoir des shooters. Ah, c'est ouais. Ça qui gère super bien le match-up et qui empêche complètement le Honda de sortir du coin. Ouais, le feu, il joue super bien. Et balle de match pour lui. Ouais, balle de match. Le Honda qui charge bien sa barre de super, après les deux spells, il met toujours un petit haut chaud pour charger là-bas. Voilà, Honda surtout qui l'empêche de l'approcher, parce que dès que Faylong est à côté, c'est la vie d'enfer. Ah dommage, Honda qui a tenté le petit décalage chausse-p, c'est pas passé. Ah, bien joué, il a trouvé l'ouverture sur un racket qui n'était pas forcément super play. C'est magnifique la chop. Ouais, il inverse les positions. Parce que pour la chop, malheureusement, en un tour de chop. Bien joué, le Doskoy et ce saut qui n'était pas du tout safe jump. Oh là, ça fait mal toi. Ouais. Saut vertical, gros point, gros point. Ça fait bobo. Ah, pas gros point, je dirais plutôt. Là c'est dernier round. Ah ouais, là c'est encore une fois. Dernier match encore une fois. Encore une fois. Reste entier. Ouais, là je demande qui va gagner. L'égalité quasi parfaite à la vie. Ah, bien joué, petit décalage de Stoy après les X3K qui sont safe. Les deux premiers sont safe en X. Bien joué le combo. Malheureusement, Ocho qui passe pas après ce saut vertical gros point qui a touché en X. Ah, c'est pas facile. Bien joué, décalage de Stren HK. Touche super loin le Stren HK de Honda. En plus, il touche l'eau. Ouais, il avait vu le jouer. Je vais lui choper du Félong. Qui passe nickel. Et, voilà. Et le Honda, l'Iceland, qui remporte le match. Qui se retrouve en demi-finale. Donc ensuite, on va avoir... Bon, on a Tawara contre Tony S, donc dictateur contre Sakura. Venu de match-up, je sais pas ce que ça donne, mais je dirais peut-être léger avantage à dictateur. Aucune idée. On va voir ce que ça va donner. Je connais pas trop les deux joueurs, donc on va voir. Ouais. Bon, pour l'instant, c'est le dictateur qui commence à charger sa barre de super avec des petits Daisy Reverse. Voilà. Il trouve Arthur sur un enchaînement de light, mais il n'y a pas de Nid Press derrière. Voilà, saut médium avec gros point en juggle, ça fait assez mal. Voilà, pareil, saut médium, plein de gros points. Sakura qui trouve l'ouverture de gamme sur un bas médium à Dogel. Bas médium for you. Et le Psycho Crusher qui a raison de tout, ça c'est le coup de dictateur. Bon, pour l'instant, dictateur qui presse bien comme il faut. Hein. Voilà. Visiblement, le X7-13 qui est pas safe sur Sakura qui peut finir avec bas gros point. C'est aussi un très bon tir de Sakura, le bas gros point. Ah, bien vu. Et le dictateur qui prend le premier match. Premier round, pardon. Alors, Sakura, faut se réveiller là, attention. Voilà, deuxième, normal. Cherche l'ouverture de garde avec un overhead. Et visiblement, c'est plutôt dur. Dictateur qui recule plus que. Et à un moment, boum, il presse. Ça permet de ravancer un petit peu en plus. Et s'il touche, ben voilà, il gagne encore une fois de la distance pour continuer à reculer. Ouais, là, ça va. Charge un petit ça... peu la barre d'ultra avec en mettant des semis dans les ABKS. Ça va être dur pour ce courage, je pense. Hein. Ouais, ouais, c'est très dur d'approcher. Là, faut vraiment passer à l'offensive. Passer en mode combo boobie.
Ouais. En plus, une fois qu'elle a trouvé le corps à corps, il peut toujours s'échapper avec des téléports ou des petits concours. Ça va être puni, bas, médium, ni presse. C'est le médium kick. Aussi un très bon coup de dictateur. Ouais, ouais. C'est terminé. Sakura qui a rien pu faire pour ce round. Mais on sait jamais. Est-ce qu'il va se réveiller pour le deuxième match? Ah, il suffit de trouver une ouverture de garde avec Sakura, ça peut faire mal. Hein. Ouais, voilà. Tous les tatsus, pas gros point tatsu. On va voir ce que ça va donner avec Rose. Je ne connais pas du tout le match-up entre les deux persos. Ouais, c'est vrai que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon. Mais Rose, c'est toujours chiant. Hein. Un perso vraiment casse-couille, on peut le dire. Ah, ça joue tranquillement. Voilà, faut que tu fasses bien les boules comme il faut. Ah, Rose qui se retrouve dans le coin maintenant, ça va être assez dur de sortir, je pense, entre les HK et les Nitres. Quand c'est sur Nitres, pour rester au corps à corps. On sort les satellites. Voilà, on sort les satellites direct. En les sortant assez tôt, il y a moyen d'avoir 2 ultras par match. Voilà. Premier satellite qui touche. Ça dure 10 secondes, il me semble. Les satellites. Bah, il aurait dû essayer de faire un petit cross-up, je pense, ça aurait été pas mal. Ah, malheureusement, le combo raté. Ah, il a raté. Bon, dommage. Il presse cancel. Il a voulu décaler avec un stand medium, si je ne me trompe pas. La Rose qui peut bien presser aussi. Faut le remettre dans le coin là. Ouais, il a fait plus serré que tout à l'heure, quand même. Hein. Ah, malheureusement. Mais voilà. Dictateur est là et le prouve. Ce qui lui permet de s'offrir sa première balle de match. Alors, charge un petit peu sa barre de super pour faire honneur au perso. Ah, XP contre le fer qui lui permet encore de sortir de toutes les situations. Bon, allez, Rose. Il presse en garde, c'est safe. Là, il est bien, Rose. Savoir, il gère bien quand même, hein, faut le dire. On sort cross down. Mais bon, ça peut vite changer. Lissat qui est bien cancellé. Même si elle a touché en ligne. Vous pouvez pas le savoir. Voilà, Rose elle est dans le coin là, c'est galère. Hein. Faut qu'elle arrive à se barrer. Il presse dans la garde, c'est safe. Un medium, il presse. On sort le saut cross up. Et voilà, c'est pas fini. Medium décalé, mais c'est terminé. Voilà, bien joué, monsieur Tony. Alors maintenant, on va enchaîner avec. Ouais, première demi-finale qui va opposer Abdes, toujours qui joue toujours Ryo et Hicham avec Gen. Ça risque d'être une sacrée demi-finale, je pense. Allez, on est parti. Bouton check a déjà été fait. Quelques Hadoken d'Abdes. On charge un peu la part du train. Côté de Gen. Le dragon qui passe entièrement. Le calage shop. C'est mangé par un backlash. Ah, bon, Abdest qui est up, hein. Il décale bien son 2LK. Le combo, malheureusement pas maximum, mais il trouve ouverture top. Et le pif du game qui a craqué. Ça va, ultra, voilà, bien vu. Derrière. Oh, ça fait mal. Ryu qui revient au corps à corps avec un tatsu medium. Ça prend trop de risque. Ça connaît ce qui se fait bouffer. Attention, il y a Juggle juste derrière. Ça connaît ce qui touche. L'overhead malheureusement qu'il n'y a pas. Voilà le bas gros point dans le saut cross au PD. Et je me retrouve tout seul aux commentaires. Je vais prendre les deux micros. Ah, on a un joueur de game qui vient nous aider. C'est Benko. 1-2. Il connaît bien les coups de game, il va pouvoir nous aider. L'inverse d'un overhead ce coup. Pas mis Yamato dans le coin, il lui saute dessus gratuitement. Un super, encore une fois gâché. Il est à poil.
Ce gros pied qui ouvre sur un step. C'est mid level 3. Gros point. Premier match pour Abdes. Again, première ouverture de garde, Brayed. Gros coup là, je sais pas comment il s'appelle son coup, il a pas fait cross. Sauve gros pied, dragon. Bah, Medium Hadoken, c'est la base du jeu de Ryu, hein, de toute façon. Allez, Gen, vive les yeux. Ah, Ryu qui se fait encore. Oh, bien joué! Ah, il connaît les arcanes. Bien joué le Shoryu pour éviter cette ultra à la relevée. Si on fait tout en one time, c'est cross-up. La petite phase là-dessus, cross-up qui n'est pas passé. Un bon bas gros kick. Les balayettes, c'est un cross-up évité. Allez, vous voulez ouvrir la garde avec un CMHK close. S'il touche Counter Hit, tu peux mettre un dragon balayé derrière. Et du gros kick. Bien gardé le cross-up. Oh oui. Oh, magnifique. Ah, ça fait pas si mal que ça. Hein. Beaucoup de dommages réduits à cause de la faute. Ouais. Aïe. Et Abdes qui prend le match. Mange mon pied. 20% de dommages réduits, je crois, après la faute. Plus, 20%. De... Des insectes qui vont reculer, on va pas pouvoir reculer à l'infini, je pense. Sortez les chamallows, ça va camper. Allez, c'est parti. Allez, Storm en bas contre Tony S avec Dictateur. Allez, ça campe. Alors, bizarrement, ça attaque énormément. Et on a le Honda qui pose une pêche. Visiblement, il a l'air très nerveux. Première ouverture de garde du dictateur, bas médium, ni presse. Il trouve la back trop. Oh, bien joué ce setup de son gros point qui touche pas cross-up. Allez, dictateur dans le coin. Faut le laisser dans le coin maintenant. Voilà. On a qui s'abatte. Son gros pied, décale les mini-mains. La mayonnaise. Le ni presse pour s'enfuir. Et Doskoy qui rattrape pas malheureusement ce ni presse. Ah, du fake tout ça. Gros kick. Ah, on aime. À l'école du gros kick, on aime. Ah, là, le Honda qui est obligé d'attaquer. Hein. Ah, 37 secondes. Il a joué. Milma, c'est un HK qui passe pas. Ah, ça va être pas mal, là. Ça va être très très dur. Atin, il presse dans la garde et c'est fini. Ça saute en arrière, ça saute en arrière. Et là, on regrette d'avoir une ultra qui se charge. Allez, il peut pas avancer et piquer ultra, on faisait des petits jumps. Allez, premier round pris par Tony. Ni presse versus Doskoy. Allez, gros CNHK, attention dans les sauts. Ah, il faut punir là. Voilà, bien joué, Ocho. Oh, dommage, la TP qui évite même. Oh, il est vraiment craqué ce dictateur, hein. Franchement, il n'y a rien à faire. Allez, vas-y, pas de ça chez nous. Ah, ça tente, là, ça tente. Ouais, un peu de zoning. Il est presque entraîné, mais la bonne déchoppe du Honda. Il est vite, il est gros, mais il est vite. Ah, malheureusement, ce coup de cul qui se fait choper. Et le son gros point, cette fois qu'il cross-up. Oh, bien joué, le double mille-main. Oh, super. Ah là, ça fait mal. Hein. Ça lui passe un peu le poids. Allez, là, dans ce match-là, il faut prendre l'avantage de l'énergie le plus vite possible. Très compliqué d'avancer pour un perso à charge. Hein. Dès qu'il avance, il est tout nu.
Oh, bien joué, magnifique. Magnifique jeu avec Dostoy, il a été senti. Il a vu l'avenir. Ah, dommage, bien joué, bien joué. Maintenant, il faut camper comme une grosse pute. Il reste 14 secondes. Ah, bah là, disons, il n'y aura pas le joueur. Il va sortir de sa tente. Voilà, Exdoskoy en garde, mais c'est pas très grave. Oh là là, attention, il se prend la. Ah, bien joué, magnifique. 2, 1. Terminé. Aïe, 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 super. Le round pris de justesse par Lightstorm. Il a très bien joué en mettant son ultra à la fin du round. Je pense que c'est pas la dernière victoire par le temps qu'on va voir. Non, c'est pas sûr. C'est en deux matchs gagnants, mais il risque bien de durer un quart d'heure, hein, le match. Du moment, je sens le Honda un petit peu moins patient que Dictateur. C'est souvent des Nipress qui commencent à ouvrir la garde plutôt que des Dostoy. Ouais, ouais. Ah, bien joué, les petits décalages. Bah, là, il peut juste un gros point. Ça décale bien la garde. Oh là là, dommage, il y avait l'ouverture. Ah, malheureusement. Là, il y avait l'ouverture. Ouais. Voilà. Le coup de cul c'est safe, il décale, coup de rip, coup de rip, saut médium, plus gros point en free juggle derrière. Bas médium pour recueillir du saut. On peut mettre des Sten HK. Voilà, Sten HK. Toujours safe, footer. Ah, le ex de Skoy. Vraiment moyen de remonter avec. Avec Honda, c'est vite faire de remonter. Hein. Un petit de Skoy, un petit HK. 2-3 coups de tête. Voilà. Faut jamais lâcher le match en fait. Avec son beau chien. Gros pied. Voilà, gros pied dans le saut, tu sautes pas. Voilà, on va rentrer dans le jeu. Allez, petit junket derrière les minimum. Voilà, le ex-psycho-crusher qui nous permet de s'enfuir encore une fois. Et on s'affiline vers le deuxième time over. Voilà, time over ou alors un petit gratte au knee press. Voilà, un petit ex-psycho-crusher qui en brûle par raison de tout. Et ça brûle. On va pouvoir faire un Michui avec le sumo. Attends le cochon. Allez là, rien n'est joué. Ah, ça coûte, te repique pas. Hein. Et là, il semble qu'il est mort sans son pif. Ah, là, ils sont concentrés, là, ils se regardent. Alors, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je suppose qu'il s'est pris un HK. Mais MK, MK. Ah, MK. Ah. Là. Encore un HK. Là, c'est un beau HK. Elle est super la hitbox du Sten HK. Elle bouffe même la balayette de Gookie. Bon gros kick. Là, il n'y a pas de Sten HK. Il va falloir ouvrir la garde maintenant. On va trouver le corps à corps. Oh, bien joué. Magnifique. Dostoy avec Dostoy. C'est la dédiée. Gros kick. Ah oui, gros kick. Joué. Combat de Sten HK, visiblement. On a qui a montré lui aussi un bon HK. C'est vrai. Un petit peu moins bon quand même que celui du Dictateur, je dirais, mais bon. L'avantage de celui de Honda, c'est qu'il touche l'eau. Oh, belle déchoppe. Il fait la dévier. Allez, maintenant il reste plus que 30 secondes, il va vraiment falloir attaquer. Et encore un gros kick. On ne les compte plus. C'est ça. Il presse. Gros kick. Son médium. Oh oui, gros point, gros point. Et explique Rock Crusher encore une fois. Ah, c'était ça ou Nipress. Ah oui, de toute façon, c'est HK, Nipress, Epsilon Crusher quand t'es vraiment mal. C'est ça. Et tu peux te sortir d'un peu tout et n'importe quoi. Et balle de match hein, d'ailleurs pour. Eh oui, balle de match pour Monsieur Bison. C'est ça. C'est déjà Big Boy 5 dans un first to 2. C'est pas mal. Ah voilà, bien joué dans ce. Le ex de Skoy dans ce non-safe jump. Honda a compris qu'il ne devait pas y aller. Voilà. Exactement, le Honda il a bien compris. Il reste chez lui. Il est bien avec son vieux chinois dans le. Visiblement, il y en a un qui est plus nerveux que l'autre. Il y en a un, ça ne me dérange pas. Pour lui, 99 secondes, c'est long. Non, c'est bien, le vieux il s'endort. Ouais, on se sent bien là. Ne dérangez pas. Voilà, je me mets à distance de Nipress, je gratte un peu. Allez, on gratte. Il va en falloir des Nipress là. Ah, bah, il faut revenir. Ah,
ça joue, ça gratte. Voilà. Bien joué, ça. Superbe. Belle déchoppe du Honda. Il se trouve maintenant mid-screen et qui a tout le loisir de reculer. Visiblement, ça les démange beaucoup parce qu'ils aiment bien se gratter. C'est vrai. Dictateur qui charge un peu sa barre de super, bah, il va s'énerver. Il va sortir soit un mi-presse, soit un dealer, soit un pseudo crusher. Voilà, c'est bon. Ah, c'est fini là. Et comme prévu, encore une victoire par le temps. Exactement. On va peut-être avoir une nouvelle. Bon, balle de match toujours pour Tony. Donc balle de match ouais, pour Tony. Donc Lightstorm, si tu bouges pas ton gros cul. Bah attends, il y a égalité. Quel est le premier qui va gratter l'autre? Ah, gros kick. Gros kick. Arrière, gros pied. Il est presque. Alors, son petit saut, Octoscope pour se rapprocher. Ah oui. Oh, le balai punch qui casse le début du blocage. Bien joué la chope, il te laisse dans le coin. Super. Ah, bien joué. Tu peux vraiment décidément se barrer avec un peu tout et n'importe quoi. Ouais, tout était les films. Tout était la mayonnaise. C'est dangereux. Ah là, ça, le petit saut-crocheur X. Il a raison de tous. Il est passé à l'attaque et là, c'est pas bon. Et là, ça va être chaud. Voilà. Bon, elle a téléporté des X-Doscoy, donc c'était même pas la peine d'en mettre un. Aïe. Ça va être très très dur là, il reste encore une barre d'ex au dictateur. Il va y avoir encore une paire de scissors. Allez. Il garde toujours une barre d'ex de côté, dictateur. Il s'est jamais trouvé tout nu. Un petit coex, c'est toujours bon. Quoi. Meurt pas sans son pif. Ah oui. Et là, Honda est. Et voilà. Petit coup crusher, c'est le coup du match. Ça est gros pied quand même. Ça est gros kick. Bien joué à Tony. Donc en finale, finale perdant. Alors toi, je pense que t'es pour le gain. Un petit peu. Alors moi, je cache pas que je suis pour le Honda. Hein. Un petit peu. Ouais, 200 points de vie, mais quand même, Honda, c'est pas un super perso. Ouais, mais le chignon de gain est plus beau. En plus, il a sorti l'empereur. Ah, ça attaque, là, ça attaque, ça presse. Ah, le Honda, il a pris beaucoup d'énergie pour ce match, il a bien mangé. Il a dit va-t'en. Et pas. Oh, le cross-down qui est bien gardé par les scores. Gros kick. Et pas, va-t'en. Son vertical HP, c'est ce qu'il faut faire hein, contre Gates. Ah, oui, de toute façon. Ça c'est magique. Ouais. Alors, il est magique, ce coup, il peut se décaler en l'air aussi. Hop, un Oga bloqué. Et ça joue. Son gros point. Un petit de scopy qui passe bien avec un petit autre derrière pour charger là-bas. Et le target qui passe. Ah non, il est pas. Il pouvait pas compter. Il a pas voulu. Il a pas réussi, on sait pas. Il ne saura pas. On lui laissera le bénéfice du doute. Soit HP. Il y a la vitesse, on a la puissance. Bien joué le petit Doskoy. Ah oui. Oh magnifique. Du Kazan. Arrête qu'on va arriver là. Et Fred Jagger juste derrière. Attention le damage Redus. Eh oui, ça tue pas. Et non, Honda qui reste en vie. Oh bien là joué. Là. Dès qu'il a vu le cancel, il a balancé, il a tout balancé. Juste la défié quoi. Dans sa zone, ça tente le Chabit là, mais non. Honda il a dit pas touche. Belle déchoque. Ah oui, le Oga qui passe. Et heureusement, il n'y a pas de juggle derrière. Eh non, là, il faut que Honda est pourri. Tente l'ouverture au gros point. Bizarrement, Honda est gros, mais il a une box toute pourrie. Il est gros, mais il est aussi très musclé. Ce qui est très étrange. C'est vrai. Un disciple de Bob Lepon. Le muscle est au-dessus de la graisse, en fait, chez Honda. Là, il écrase le pauvre Gen. Logan qui peut malheureusement pas s'exprimer, on l'a vu sur les matchs avant, avec des beaux frame traps et tout ça, mais bon, tant qu'il a pas trouvé le corps à corps, de toute façon c'est quasiment impossible. Ah, ça tente le target en l'air. Ouais, target qui est très bien gardé. La situation est compliquée, mais Gen a sa super et son ultra, rien n'est perdu.
Là il aurait pu tout placer, là il est tout et tout. Là il presse, il donne tout, là il jette. Bien joué, magnifique. Le gros point magique, Nathan. Il fait 352 dégâts je crois ce gros point. Descends mon manège. En même temps 7 bien joué, t'as pas besoin d'avoir de la vie. C'est vrai. Il suffit de quelques mind games. En même temps du côté d'Onda c'est un peu pareil. Hein. Deux de Skype qui passent et psychologiquement t'as mal. Attention à l'ultra de Ronda. On risque de bien rigoler. Ouais, on joue tranquillement. Le disciple de Guile en action, Sonic Boom. Voilà, un gros point. Avec pas mal. Avec les cheveux en moins. Ronda qui s'est pris deux Sonic Boom et qui est toujours à l'avantage à la ville. Ah ouais, c'est moche. Ah, le set qui est très patient. A mon avis, à un moment, il va sortir de sa tanière et ça va faire mal. Ouais, mais pour l'instant, c'est lui qui a mal. Voilà. Ça y est, c'est parti. Ah, voilà. Ça déroule. Ah, malheureusement, le combo raté. Ça, c'est pas l'eau, ça. Là, Honda, on a un peu rien à foutre. Et il a bien raison. Il a voulu tenter le mix-up, mais avec son saut vertical HP magique, il a pu se décaler. Voilà. Il a évité et tout évité. De toute beauté. C'est bien. Tiens, bah, j'ai fait des Sonic Boom, j'en ai rien à foutre. C'est ça. Voilà, 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 attention. Ah, malheureusement, les pas médiums qui passent, les sauts médiums qui passent pas. Encore un problème avec l'iPhone sur Honda. Ah, bien joué. Bien joué, super, ça. Super, dommage. Ah oui. Oh, magnifique. Superbe. Et il le piétine, Van Juggel, voilà, magnifique, à 19 secondes de la fin, alors que tout le monde voyait le Honda gagnant sur ce round. Exactement. Voilà, attention, le Honda qui se montre un peu impatient. Pas trop de bagarre. Partir directement pour Tokyo, celui-là, ben, visiblement, il partira pas tout de suite. Ah bah là, il va voler de travers. Il va tourner en rond, il va revenir. Oh, magnifique ce cross-up. Ah oui, descend du pied qui passe. Avec malheureusement, il n'y a pas la suite du combo. Set descend parfait. Et maintenant, autour du set de zoné. Ah, voilà. Tu prends un pied dans la gueule. Un bon gros kick. Voilà, son gros point. C'est Nashka. Et donc, ça revenu à la vie. Il a mis 3 coups. 3 coups. 3 hits, une demi-jauge. C'est voilà. Ça, c'est fait. Ah, il a pas raté là, c'est magnifique. Ouais. Oh, la palette c'est pas safe ça. Ah oui, superbe. Il attend patiemment que sa jauge remonte. Ah, il a eu peur de se recevoir à l'ultra là, dans la tête. Oh, c'est dangereux. Allez, ça. À punir là. C'est dangereux ça. Voilà. Ah, bien joué. Bien joué. Allez. Ultra en entier. Je lave plus blanc que blanc. Si. Ah, de toute façon, t'avais perdu le round, donc c'est pas grave. Ouais, du coup, tu perds le deuxième en même temps. Un partout. Un partout, la balle au centre. Mais cette onda, ça va quand même être compliqué pour le gros. Ouais, c'est... Surtout que cette, il brûle. Il est en feu. Il brûle bleu, en plus. Il brûle bleu. C'est du méthane. C'est du feu très très chaud. Il est en train de brûler tous ses gaz intestinaux. C'est moche. C'est ça qu'il ose pas trop s'approcher le Honda en fait. Ouais, c'est ça. On n'a pas les. On n'a pas toutes les conditions. C'est ça. Ah, de sorte, à base de Hado Trap. Le dragon magique. Plus que safe. Ah, ou plus comme c'est. On recule. Tranquillement. Faut vertical à l'aspect. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Oh, bien joué ça. Il lui a tapé sur les mains, comme à l'école ouais. Primaire. Voilà. Il s'en prend un nouveau. Et la mayonnaise, allez. Oh, visiblement, il va falloir arrêter de sauter. Ça, ça veut dire reste par terre. Cheese. Ah, ça, c'est chaud à garder ça. Il faut garder dans le sens du set, mais bon, on sait jamais où il est vraiment. Donc. Ouais. Et balle de match pour le 7 hein. Balle de match pour le 7, il vient de se faire balancer par son oh méga patate. De toute façon s'il encaisse les dégâts de saving là, ça va faire mal. Sonic Boom, c'est un HP, maintenant on campe. Allez, c'est parti. Maintenant on campe comme une grosse pute. Du côté de Honda, on s'est dit on va balancer des grosses patates. Du coup le 7 il en profite. Boum.
La back trop trouvée avec le bicep encore une fois. Elle est sauve au point. Machine de kick. C'est fait, elle n'a pas fait le mix-up à base de téléport. On sent le joueur de game qui a des méthodes pervers. Il sent des pieds chauds. Oh, magnifique! Oh, ça l'a piqué! Magnifique! Ça. Oh là là, ça oh fait mal! Là, 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 là. Oh, oh, ça fait très mal! Là, là, super, oh, bien joué! Super. Il a pris des risques là, parce que si le 7 il bourrait un dragon. Comment et c'est le dernier round du dernier match, du dernier tour. Comment manger une barre de vie avec deux coups? Bon, maintenant il est tout nu. Voilà, il se retrouve un peu tout nu, mais bon. Il a toujours son panne et son frigo. Allez, gros point, c'est une boum. Petit boum, gros point. Ça varie. C'est une boum, gros point. Bien joué, le A2 trap. Oh là là, c'est une nouvelle fois qui passe, qui trade. Et pour la première fois, le trade n'est pas à l'avantage du Honda. C'est vrai. J'ai vu le cross-up bien oh, gardé. Oh, dommage. Faut pas laisser sortir maintenant le 7. Ah, voilà. Ah, bien joué. Ça a piqué, ça. Il remet du bon côté. Aïe, 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 voilà. Bah, en deux. Et on se retrouve encore une fois avec les deux persos à l'égalité. Hein. Tout est à refaire pour... Voilà, tout est à refaire, exactement. Alors, par contre, s'il se fait trop gratter, il va se faire avantage à la vie, il va revenir du côté du 7. Hein. Alors, attention. Oh là là, un gros kick. Allez, un petit coup de talon. Dessus du crâne. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là là, super! Magnifique! Super. Magnifique réflexe! C'est fini! Incroyable ce réflexe! Devine réjoui, content d'être là. Et c'est parti. Voilà. Alors là, attention, c'est AB sans face, donc si tu charges un peu trop ta barre de super, il y a une charrue qui sort dans le bon sens. Alors la baisse qui se fait un peu griller dans ces décalages. Adoken, la base de Ryu. Ça tente de rattraper le Devil River. Bien joué le X-Press qui traverse les boules. Killing relâché dans le vent, malheureusement qui n'est pas puni. X-Press en punition du saut. Pas gros point. X-Press c'est toujours safe. Allez, bien joué Tatsu qui se cross-up. Chakunai. Sa zone. Difficile de trouver l'ouverture de garde là pour Abdes. Il décale bien ses coups. Trouve l'ouverture de garde. Et il l'avait mindé ça je pense avec bien son soir. Mindé, belle défense. Abdes qui s'est attaqué safe. Ah sur leur plexus, attention parce que c'est pas safe hein, quand c'est. Disons qu'il demande qu'est-ce qu'il fait là. Ah là là. Overhead, overhead, pas medium Hadoken. Casse garde, pas medium kick, Hadoken, la base. Il y a Des qui a réussi à punir le premier ex-psychocrocheur qu'on voit. Enfin, je veux dire, tous les psychocrocheurs qu'on a vu avant, ils étaient plutôt. Tiens, plutôt à l'avantage du dictateur. Il fait des cabrioles. Des cabrioles. Mais qui utilise ce terme encore de nos jours? Il a mis son chasuble. Attention, on a Ado qui se transforme en Shoryu parce qu'il est en train d'avancer. Oui, c'est moche. Il se retrouve dans le coin. Ouais, c'est plus au gros point, ça fait cross-up. Ah, mais... Il est presque comme Télé, mais c'est bien vu par Hades qui punit directement le dash. Oh là là, magnifique ça. Le ex-Tatsu qui boucle la D-Shop. C'est bien en l'air. Avec le crush juste derrière. Un petit jump de LK et le décalage shop qui passe. Et nom de Dieu, c'est écrit Bison. C'est Jacques Dessalem est un vrai démon. Ah dommage, ah, il a fait ça, un tout petit peu trop tard. Il a pas pu le gagner.
Chop. Attention, soit HK cross-up, tu fais pas cross-up. Chop, chop, les bonnières. Tatsu cross-up, re-tatsu cross-up. Bien ce setup, ça fait déjà deux fois qu'il nous le fait. Allez, vas-y, je fais des boules, moi je sais faire. Toi tu peux pas. Voilà, en prévision d'un extra crocheur, bien qu'il saute en arrière. Il décale bien ses coups, à base de step medium punch pour casser les knee press. Un petit chariot qui rit. Voilà, Rocky. Ce gros pied. Moi je m'en vais. Knee press cancel. Allez, qui a vraiment de bons réflexes. Hein. Ah là là. Jouer la balle, jouer la balle au sol. Excellent. Super, super. Ah là 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 là. Magnifique. Oh super. Le dragon sorti de nulle part. Mais qui va directement dans ton cul. Il est chaud Abdes là. Il est bouillant là, il est bouillant. Il est bouillant comme un chacounet. Ah, de nouveau. Gros kick. Et vas-y que je fais du feu avec mes mains. Dictateur qui se laisse sauter dessus. Ah, il trouve l'air sur grâce à un jusqu'au prochain. Dictateur lui a monté lui aussi, il voulait faire du feu. Ah, faut punir là. Chop. Et il tente pas le mix-up, vous croisez pas le cross-up. Hein. Non, il saute très peu ce bison. C'est un bison terrestre. Bon, maintenant, à mon avis, il va camper. Mais bon, il a raison là. Les nuls plus à coup de boule. Le match-up update, c'est très dur. Ouais. Et ça y est, et c'est reparti, on va le ramener dans l'autre coin. Ah, il décale encore une fois bien, Abdes. Abdes, c'est bien quand les gens sont dans le coin. Cherche l'ouverture au bas médium. Et il met des stèles médium aussi, en prévision de knee press. Oh bah là il pique 6 heures, la base, Hadoken. Jamais perdu hein. Ça peut mettre. On gratte et on pousse. Ah le comme c'est ah là. C'est comme télé mais c'est pas dash comme télé donc Aïe 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 aïe, oh là là. Voilà. Du coup on est revenu aïe, à l'égalité. Oh là là. Est-ce que c'est pas trop tard? Magnifique. Aïe 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 aïe, ça pue. Et voilà, Hadoken, c'est voilà. Terminé. Félicitations Abdes. Superbe. Abdes, c'est fair.